Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran. Ça nous aidera à débloquer l'XP sur cette map créative et on pourra vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours sur cette map classique pour nous aider et le code de la map sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Donc merci à tous. Alors le code du glitch de cette vidéo que je vais vous présenter, c'est le 01107302 4578. Le code sera aussi également en commentaire et en description. Alors là vous sélectionnez la map, vous lancez la map en mode privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se charge, vous allez dans la boutique, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le font, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Donc merci énormément. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines car il s'efface toutes les deux semaines. Alors, en attendant que la map se charge, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc voilà. Alors, quand la map est lancée, ce que vous allez faire, c'est tout simplement appuyer sur Options, aller dans Menu, lancer le jeu. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes avant de faire le glitch. Après, vous pouvez faire le glitch si vous êtes pressé, mais si vous avez 10 minutes devant vous, attendez 10 minutes. Comme ça, quand vous allez faire le glitch, vous allez gagner beaucoup plus d'XP. Donc là, moi, je vais attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. Ok, donc j'ai attendu 10 minutes. Là, il est marqué Play 11 minutes. Donc, de toute façon, on va arriver aux 11 minutes en vous présentant le glitch. Donc, le premier glitch que je vais vous présenter, c'est... avec le camion qui est juste ici. Donc vous entrez dans la map, vous prenez le camion. Ensuite vous allez de l'autre côté de la map, à côté du carré bleu respawn. Et vous allez aller au fond à gauche. Enfin au fond, ouais au fond à gauche. Voilà, vous allez mettre le camion sur le dernier carré, voilà comme ceci. Déjà on gagne 20 000 XP parce qu'on a attendu 11 minutes. Ensuite quand vous êtes sur le camion, normalement il y a un bouton XP juste ici. Voilà, vous mettez sur le camion et vous mettez juste là. Donc là j'étais niveau 7 quand j'ai commencé la vidéo. J'étais au fin de niveau 7. Ouais, il me restait quoi, peut-être 7000 XP. Donc là on va voir combien d'XP je vais gagner. Donc hop, j'active mon bouton secret room XP. Et là ça va me donner de l'XP blindé d'XP. Alors le deuxième glitch, je vous le présente déjà. C'est près du carré respawn. Donc ce que vous allez faire, donc là regardez, j'ai gagné 80 000 XP je crois. Donc ça fait déjà un total de 100 000 XP. Ouais c'est ça, on a déjà gagné 100 000 XP sur cette map. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller près du carré respawn bleu. Vous allez en plein milieu, donc juste en face, regardez, du mot. Donc je suis en face du P. Là je vais calculer 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés, 5 carrés, 6 carrés, 7 carrés. Ensuite à partir du 7e carré, je vais mettre une rampe, 2 rampes, 3 rampes, 4 rampes, 5 rampes, 6 rampes, 7 rampes, 8 rampes. Et ensuite, je mets un plat. Et ici, sur le plat, vous avez un bouton secret room XP. Donc, vous interagissez avec. Et là, vous allez gagner des XP. Donc là, je vais vous présenter le troisième et dernier glitch de cette map. Donc, pour réaliser ce glitch, le troisième glitch, il faudra remonter jusqu'au fond à gauche de la plateforme de respawn. Donc, au fond à gauche, regardez, j'ai créé toute une rampe pour y monter. Donc là, je vais prendre le pad pour y aller un petit peu plus vite. Hop. Après, vous pouvez remonter. Enfin, vous pouvez faire... moi, j'ai fait une construction comme celle-ci parce que bah, moi, je trouve ça plus simple. Après, vous pouvez tout simplement vous accrocher avec un grappin, un cramponneur, etc. Mais voilà, la solution de facilité, c'est de construire jusqu'en haut. Voilà. Et puis, quand vous devez attendre 10 minutes, vous pouvez déjà pré-construire tout ça. Hein. Hop. Ensuite, quand vous arrivez en haut, dans le coin, tout à gauche, vous allez construire deux murs, comme ça, pour avoir des points de repère. Ensuite, vous faites 1, 2, 3 sols en face. Et là, vous avez un bouton Secret Room XP. Donc, vous interagissez avec et c'est parti. Et là, on va voir combien d'XP ça a rapporté. Donc, j'étais fin de niveau 7 quand j'ai commencé le glitch. Donc là, on est fin de niveau 9. Donc ça veut dire que j'ai pris 160 000 XP rien qu'avec ce glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout présenté dans cette vidéo, que je vous ai tout expliqué. J'espère que cette vidéo ben, vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.